Et salut YouTube, bienvenue pour ce nouvel événement en raid pour Pâques. Et qui dit Pâques, et ben on va avoir un joli petit lapin de Pâques shiny qui est Tazumaril en raid 5 étoiles, donc jusqu'au 4 il me semble, donc au moment du tournage jusqu'à demain. J'espère vous poster cette vidéo demain si tout va bien. Donc on est parti pour faire ces raids, donc 2% de chance sur les raids 5 étoiles d'avoir Tazumaril shiny. Aujourd'hui, on est en compagnie du grand, du magnifique, enfin grand, c'est un grand mot, Panda. Coucou Panda. Salut. Du coup, on a déjà commencé à chercher nos premiers Tazumaril. On va attaquer le premier, je vais lancer. Et puis, on va voir, il y aura sûrement du montage, tout ça, vous connaissez. Le mot de passe, c'est toujours le même, 2478, 2478, et c'est parti pour le premier Tazumaril. J'ai lancé Panda. Tu peux en rejoindre. On espère que ça sera encore plus rapide que le dernier hein, qu'on a fait, qui était comment il s'appelle, Fragile Eddy, qu'on a eu en 13 raids. On va voir si on peut faire mieux. Et aujourd'hui, malheureusement, Captain n'est pas avec nous. Mais ce n'est point grave. Je vais peut-être changer de Pokémon, ça peut être bien. Parce que... je vais prendre ça, là. Hop, tac. Parce qu'il peut avoir herbivore, potentiellement. Donc un Pokémon plante n'est pas bien. Et on est parti sur le premier. Le suspense est à son comble. Dès le début? Eh bien non! Eh bien, je vous épargne tout ce qui est combat, parce que de toute façon on va pas les faire. Et puis ben on se retrouve. Vous allez avoir droit à l'accéléré. Qu'est-ce que t'as mis en shiny là? J'ai pas vu. Zéro aura. Ah. Donc on se retrouve après l'accélérer, le temps de tous les vérifier, tout ça vous connaissez. Hein. À tout à l'heure. Et on est reparti pour un Tazumaril, pour le 15e Tazumaril plus particulièrement. Si les gens veulent bien rejoindre. Allez, on va le faire. Parfait, parfait, voilà. On y va. Allez, je suis. Change de Pokémon ou valide. Et pourquoi on part avec un Dedenn? Vraiment, on va vraiment partir avec un Dedenn. Hein. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce 15e, il n'a aucun sens. Mais au pire, s'il est pas shiny, bah vous le verrez pas. Donc ce que je suis en train de dire, ça sert à rien. Par contre, s'il est shiny, bah vous allez bien vous foutre de ma gueule. Et vous aurez raison. Alors, est-ce que ce 15e est shiny? La réponse est... oui! Le 15e est shiny, c'était le bon. On est content. Maintenant, il va falloir le capturer. Alors oui, on a commencé cette vidéo en compagnie de Panda. Sauf que, bah en fait... oh, hier on a arrêté un peu, enfin moi j'ai arrêté, lui il a continué et il a eu du coup son Tazumaril shiny en 21 raids il me semble, donc au final plus que moi hein. Et du coup bah, je me retrouve tout seul pour terminer, mais c'est pas grave, on va l'éclater. Par contre le truc c'est qu'il va falloir le capturer. Et vu que ce n'est pas mon raid, j'ai moins de chances de l'avoir du premier coup. Hein.
Il n'y a personne qui a Dynamax au T1. Étonnant. Oui, du coup, on est avec le Deden. Deden Shiny, hein, d'ailleurs. Deden Shiny. Bon, il y a le Elector aussi, mais le Elector, on va faire comme si il n'existait pas. Hein. Pourquoi on fait comme s'il n'existait pas? Ah, bah parce que vous avez pas vu son nom. Regardez, si on peut voir son nom, ça serait pas mal. Ça serait pas mal de voir son nom. Voilà, là, on va le voir. La défense de PokémonLab.com. Grosse blague. Allez! Google Max. En avant. Et les câbles géants. Il a quand même du flow, hein, les câbles. Hein. C'est vraiment un beau Pokémon. J'aime beaucoup ce Pokémon. J'allais dire, je l'ai pas en shiny, mais si, j'ai toute la famille parce que je crois que j'avais fait Elekid. Elekid, je l'ai eu en 9-2G. Et après, j'ai eu deux Electek sur Let's Go, dont un que j'ai fait évoluer une fois que je l'ai fait passer sur bouclier. Tant que c'est comme ça, donc j'ai toute la famille. J'ai toute la famille. Et il remet ses boucliers, mais c'est pas grave, on va lui éclater ses boucliers. Hein. Voilà, regardez-moi les dégâts qu'il prend. Sachant que j'avais pas encore fait Fulguromax. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'était pas beau. Vas-y, fais Piétisol. Hein. Piétisol sur Elector. Ah non, sur tout le monde. Ok. Ah, ça baisse notre précision. Ah non, la vitesse. Vitesse. Piétisol, c'est la vitesse. Enfin. Et tu vas attaquer combien de fois là? C'est bon? T'as fini? Ok. À nous! Alors si vous avez entendu un bruit bizarre derrière moi, c'est le chat qui est descendu du lit. Et un chat de 12 kilos, ça fait du bruit quand ça descend du lit. Oui, j'ai un chat de 12 kilos. Pas en commentaire. Il est au régime. Mais bon... Tonnerre, et normalement je me finis avec Fulguromax, hein, c'est comme ça que ça se passe, non? Ouais, on le finit avec Fulguromax. Voilà. Et donc, le Azumarill n'est plus parmi nous, maintenant, il va falloir le capturer. Est-ce qu'on a une ball particulière pour lui? Est-ce qu'on a une balle qui lui irait bien? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a la niveau ball qui peut être pas mal, mais... Est-ce que j'ai pas des bisballs? J'ai une bisball. Ou la speedball. Allez, une bisball. C'est parti. On espère qu'il sera... Il va rester à l'intérieur. C'est pas comme si c'était moi qui le faisais, et si je le capture pas, au pire, je reset le raid et il sera toujours shiny. Mais là, c'est un raid random. Et... C'est capturé. C'est capturé. On a eu notre Azumarill pour cet événement de Pâques. Notre petit Lapinou. On va aller le chercher tout de suite. On va l'inclure dans l'équipe, hop, on va le mettre à la place de Elekable. Et on va aller faire une petite rencontre, hein, tranquillement. Allez, le jeu, ah oui, la connexion qui adore. Hein. Petite rencontre contre ce magnifique Cradopo, pas de back-to-back, hein. On n'exagère pas. Et on peut voir ce bel Azumarill. Shiny en combat. Ah, il est stylé. Hein. Bon, il est presque mort, il lui reste un PV. Il est stylé. En tout cas, YouTube, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo d'événements en raid. Il y en a pas mal en ce moment, parce qu'il n'y a même pas une semaine, je crois. On a fait Fragile Eddy.
pour le printemps, là pour Pâques, je sais pas. Est-ce que dans le mois d'avril on en aura un autre? Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils essayent une fois par mois, dans un au mois de mars, du coup, un au mois d'avril. Au mois de mai, on va peut-être avoir un Pokémon Muguet qui est Guiriland. Si c'est Guiriland, vous me verrez pas dessus du coup. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao ciao.